beaucoup que les gens vont commencer à être fatigués, mais on a vécu tellement d'émotions et c'est le tour, donc même si les jambes sont fatiguées, je suis chaud patate pour aujourd'hui encore. C'est vraiment le public qui me fait ouvrir les yeux tous les matins, là. Je vous avoue que c'est un petit peu dur, mais voilà, on est sur le Tour de France, c'est normal, ça roule toujours plus vite, tous les jours plus vite, c'est tous les jours plus nerveux. Aujourd'hui encore, ça va l'être. Ce qu'il faut, c'est durcir la course pour pas qu'on ait Vibus dans le final. C'est pas une mince affaire, elle est vraiment extrêmement forte, mais on va encore essayer aujourd'hui. Well, they can try, yeah. Of course, always nice to take a jersey home, and this is a special one. We're getting closer, so I will try to get the points and try to get more close. We don't focus on other riders or on Lorena Vibus. We just want to try our best. I don't think it will be a calm day. Saint-Dié-des-Vosges, seule ville arrivée et départ de cette édition du Tour de France. Dernière journée avant les deux étapes de haute montagne qui clôtureront cette grande boucle. Direction le Bas-Rhin et Rosheim à 129 km. Quatre difficultés sur le parcours, 9 points à prendre dans la course au maillot à poids. Lorena Vibus avec un sprint intermédiaire à Oermatt au kilomètre 85. Et à l'arrivée, si elle parvient à tenir dans ce parcours piégeux, a une dernière chance de rafler le maillot vert à Marianne Vos. Comme toujours depuis le départ, le peloton entame la journée à fond, 42 km/h de moyenne en début d'étape. Objectif, essorer les sprinteuses, notamment Lorena Vibus. Mais une échappée peut aller au bout, alors elles sont 14 à prendre leur chance. Parmi elles, la championne de France, Audrey Cordon-Rago, son homologue du Luxembourg, Christine Maillerousse, ou encore Tiffany Cromwell. La mieux classée au général, Ruby Roseman-Gannon, n'est qu'à 3,15 de Marianne Vos. Le groupe prend quasiment 2 minutes d'avance sur le peloton dont s'extrait Marta Bastianelli. Et ça relance avec le team UAE, Bastianelli, l'ancienne championne du monde. L'Italienne a 1 minute 30 à combler pour revenir en tête. Mais l'expérience tourne court et l'ancienne championne du monde se fait rapidement reprendre sous l'impulsion de la Valcar. Bastianelli a été reprise par le peloton, plus de courant intercalé et 1 minute 40 secondes. Le duel entre l'échappée et le peloton est alors lancé, mais on pense déjà à l'éventualité où les équipes de sprinteuses ne reviendraient pas sur la tête. Good job, very good job. Just make sure that you always work a little bit less than the rest in the breakaway. And for everybody, eat and drink, super important. It's gonna be a hard stage. Jocelyne Loden d'Uno X vise les points de la montagne. Elle passe en tête lors des deux difficultés suivantes, notamment la côte de Grendelbruch, seule troisième catégorie de la journée. 3 points pour Jocelyne Loden. Looks like Marie Lenay is going to get the second place. Personne ne dispute les sprints à la Britannique, alors que derrière la Valcar, aidée par la team UAE, réduit légèrement l'écart. Cela n'empêche pas les consignes de passer en vue de la fin du parcours. And pay attention to the descent coming up. Pay attention to the descent coming up. We have some turns on the descent, so stay in a safe position. Le peloton accélère dans la route de Mollkirch, au sommet de laquelle les bonifications sont données. Grace Brown se met à la planche, suivie par les favorites, à commencer par Marianne Vos. Le peloton se morcelle en plusieurs groupes, mais Lorena Vibus s'accroche aux favorites. Mais quelques instants après, dans la descente, la néerlandaise part à la faute et se retrouve au sol, avec Lotte Kopecky notamment. Lorena Vibus is on the deck. And this doesn't look too good. Touchée au coude, la sprinteuse repart, mais seule, elle perd toute chance de victoire à Rosheim et dit certainement adieu au maillot vert. La DSM a plusieurs atouts dans sa manche, malgré tout, Juliette Labousse est toujours placée au général. Yann Lipper peut jouer la gagne, alors leur coéquipière ramène l'écart à seulement 40 secondes de la tête de course, où Henderson, Loden et Lenet se sont isolés suite à l'accélération de la coureuse Jumbo Visma. Le message est rapidement suivi par la Française. L'attaque de Lenette lui permet de s'isoler dans la dernière ascension et de filer vers Rosheim. Elle est forte, Marie Lenette, peut-être pour aller chercher la première victoire de sa carrière. Mais derrière, Lippert lance ses hostilités chez les favorites. Le rythme est élevé et la femme de tête ne compte qu'une poignée de secondes d'avance avant d'être avalée à moins de 5 km de l'arrivée.
Comme la veille, la Trek mène le peloton dans le final. Hélène Van Dijk et Elisa Longo-Borghini veulent déposer Elisa Balsamo sur la ligne. Mais Marianne Vos, pourtant esselée, est beaucoup trop puissante pour la championne du monde. Here goes Marianne Vos. Bastianelli is there. Marianne Vos kicks for home. Balsamo, the world champion, shoulder to shoulder. But the yellow jersey is going to take it. Marianne Vos, two wins in the Tour de France Femmes avec Zwift. Comme pour Vibas la veille, Marianne Vos s'offre un doublé. La reine s'impose devant Bastianelli et Kopecky, pourtant tombée un peu plus tôt. Les Italiennes trustent une nouvelle fois le top 10 avec pas moins de 7 représentantes. Au général, pas de changement, hormis les bonifications prises par Vos. La néerlandaise compte désormais 30 secondes d'avance sur Persico et Niverdoma. De bon augure, avant l'arrivée de la montagne pour la maillot jaune qui abordera le Markstein avec un petit matelas d'avance. Of course it's nice to be in yellow and the lead up to this final weekend has been stages that suit me. We really wanted to do well in those stages and that worked out really well. And from tomorrow on, of course, different riders will be up front. We'll do what we can, but yeah, it's a different kind of race. Au maillot vert aussi, Marianne Vos fait une excellente opération. Lorena Vibas à terre et sans le moindre point aujourd'hui, la coureuse de la Jumbo a 76 points d'avance, alors qu'il n'en reste que 90 à distribuer. Sauf abandon ou événement improbable, Vos sera donc en vert ce dimanche à la super planche des belles filles. Le maillot à poids ne change toujours pas d'épaule. Gerritsen est parvenu à prendre un point sur la première difficulté du jour et s'est offert une nouvelle journée avec la tunique. Mais avec 30 unités à prendre demain, le classement de la meilleure grimpeuse va véritablement débuter sur les routes du Haut-Rhin. Changement en revanche du côté de la meilleure jeune. Arrivée dans le même temps que la vainqueur du jour, Julia Bergström passe devant Julie De Witt pour 14 secondes. Enfin, Marie Lenette, dernière rescapée de l'échappée, a été élue combative du jour, troisième française à recevoir cette distinction depuis le départ. Demain, place donc à la montagne, sur les routes du Haut-Rhin, les candidates au maillot jaune trouveront un terrain à leur convenance pour enfin essayer de bousculer Marianne Vos.